Richard, je voulais savoir, au point de vue du coût de l'opération, quand on dit ben, on va reniveler une terre, on va surtout faire en sorte d'assurer un bon égouttement, parce que l'objectif c'est de faire le bon égouttement. C'est ouais. Ça. Vous avez déjà chiffré un peu qu'est-ce que ça vous coûte à l'acre ou à l'hectare? Oui. Depuis qu'on a le système AGPS, c'est sûr que c'est très variable, dépendamment des terres. Mais normalement, on n'a pas tellement de problèmes à faire au moins un acre à l'heure. Un acre à l'heure. Ça veut dire que, mettons qu'on... c'est pas directement notre coût, mais nous autres, avec un système comme ça, on charge 300 $ de l'heure. OK. Mais... Ah, t'en fais à forfait? Oui. Oui, j'en fais beaucoup. Du drainage aussi. On draine avec le même système GPS aussi. OK. Mais pour le nivelage, là, un dans l'autre, c'est minimum un acre à l'heure qu'on fait. À 300 $. Oui. Ça veut dire que c'est 300 $ l'arc à peu près nivelé. Et là, on a une garantie d'avoir... d'un égout de surface qui se fait. OK. Il y a pas de l'ABC d'abord, avant même le drainage, finalement. Oui, j'aime mieux ça, moi, parce que ça fait un meilleur drainage. Parce que là, toute la terre qu'on a déplacée est déjà déplacée. Fait que les drains sont posés tout à la même profondeur, tout à la bonne profondeur.